l'idée de cet échange, c'est que finalement, les citoyens dans, dans le groupe se déplaçaient. On travaillait depuis 5 sessions sur des éléments de constat, des éléments de réflexion, d'idées, et progressivement, ils s'acheminent vers des mesures. Le groupe se déplaçait, un groupe qui est vaste, et donc il y a des thématiques, ou on appelle ça des familles de sujets différentes à traiter. Il y en a autour de la voiture individuelle, on ne traitera pas aujourd'hui avec vous, et puis il y en a autour du rôle des entreprises ou des administrations, ici plutôt des entreprises, et le rôle des entreprises dans l'organisation des mobilités, de la mobilité au quotidien. Et c'est sur cette thématique qu'on va avoir un échange. Les citoyens vont vous présenter un petit peu l'état de leur réflexion. On est vraiment dans la forge, au milieu du travail. Là, on n'est pas abouti, on est au milieu. Ils vont vous poser des questions. Et puis ensuite, on aura un échange très, très libre. Mais je vais vous demander auparavant, si vous voulez bien vous présenter, vos rôles dans les organisations que vous représentez. Bonjour, donc je m'appelle Pierre Cuchely, je suis chef d'entreprise à Argenteuil dans le Val d'Oise. Alors actuellement, je suis en train de relancer l'entreprise, donc j'ai très peu de salariés, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'en avais une cinquantaine. Donc voilà, je suis par ailleurs président de la CCI du Val d'Oise et je représente ce matin ma famille entrepreneuriale ou défense d'entreprise qui est la CPME nationale. Merci. CPME, ça veut dire ? Confédération des petites et moyennes entreprises. Parfait. Monsieur Partier. Donc Philippe Portier, secrétaire national à CFDT, Confédération française démocratique du travail. Secrétaire national, en fait, nous sommes 10, donc vous connaissez peut-être Laurent Berger, qu'on voit souvent à la télé. Moi, je m'occupe plus particulièrement du dialogue social, des questions de RSE, de politique industrielle, de développement durable. Très bien. Et Nicolas Fourmont. Je suis secrétaire confédéral à la CFDT, je travaille avec Philippe et je suis en charge du développement durable à la Confédération CFDT. Parfait, merci de ces présentations. Je pense qu'on peut passer sans tarder à peut-être une petite introduction par les citoyens sur ce thème et puis après on essaiera de poser une volée de questions et puis d'avoir un échange libre. C'était plus de votre côté que vous aviez des questions parce que vous étiez porteur de la famille et ensuite on élargira à toutes les questions qui pouvaient se poser. C'est moi qui parle. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Moi je suis Mélanie, je suis de la Sarthe. Voilà. Donc nous on porte une idée d'agir au niveau local avec les entreprises et les administrations pour organiser mieux les déplacements. Donc on est parti d'un constat, à savoir les trajets domicile-travail ont un impact sur les rejets de CO2 via les véhicules personnels utilisés. Donc on se demande si pour réduire ces déplacements, il ne faudrait pas voir pour du... On essaye de creuser l'idée de télétravail. Donc une première question, donc nous l'idée c'est de réduire d'au moins 20%, à savoir une journée de télétravail par semaine. Donc est-ce que vous avez une idée du pourcentage de salariés éligibles au télétravail pour les PME, pour les grandes entreprises et pour les collectivités ? Merci Mélanie. D'autres questions aux autres tables qui sont sur cette question. Donc c'est une des questions sur laquelle vous travaillez, le télétravail. Oui. Par rapport au télétravail, nous on voulait savoir aussi qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui à votre avis bloque pour développer le télétravail. Et puis par ailleurs, au niveau des équipements qui sont nécessaires, en particulier informatique, qui doit payer ces équipements et est-ce que les entreprises peuvent toutes payer ses équipements. Merci. De ce côté de la salle, autour de cette question-là ? Non ? OK. Donc voilà notre premier tour de questions. Est-ce que du point de vue des salariés, du point de vue des entreprises, vous vous posez cette question aussi du télétravail ? Et est-ce que quelle expérience vous avez, quelle piste, quelle réflexion vous avez dans le but de le développer
Ça, c'est l'intention du groupe. Alors, excusez-moi, je rajoute un truc. Vous travaillez aussi sur... Vous avez dit le télétravail, mais vous avez dit aussi il y a la question de l'aménagement du temps de travail pour les gens qui, finalement, ont des emplois dans lesquels il faut être sur place. Ils ne peuvent pas télétravailler. Donc, c'était la question réduction, aménagement. Pas forcément réduction. Vous aviez parlé de l'aménagement. Donc, c'est une semaine sur 4 jours, mais avec des horaires plus longs. Donc, ça va avec cette question générique de l'aménagement du temps de travail avec le... Voilà, donc réduction, et pas réduction, mais compression et télétravail. Oui, donc en fait, le télétravail, on s'en préoccupe depuis assez longtemps. C'est vrai que c'est indéniable que ça peut réduire les émissions de CO2 puisque ça limite les déplacements. Faisons attention à ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire que si on est à son domicile, on peut peut-être dégager du temps pour, je sais pas, aller faire des courses ou aller faire autre chose. Donc, faut regarder ça d'un petit peu près. Nous, le télétravail, on l'aborde plus que sous l'angle environnemental d'économie de CO2. Sous l'angle, ça réduit le temps de... Enfin, on gagne le temps de trajet. Hein, et donc, ça soulage le temps qu'on consacre à son travail dans une semaine. Après, il faut, je pense... Il y a des aspects quantitatifs, mais il faut faire très attention aux aspects qualitatifs. C'est-à-dire que le télétravail doit pas entraîner le fait qu'on s'isole à son domicile. Donc il faut limiter, je pense au maximum à 2 jours par semaine, de manière à ce qu'on reste toujours en lien avec sa communauté de travail. Ensuite, je ne saurais pas vous dire exactement le pourcentage de salariés ou de postes éligibles au télétravail. C'est assez variable. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. C'est une bonne question, mais il faudrait chercher s'il y a des études là-dessus. Toujours sur les aspects télétravail, je pense que aussi, et toujours par rapport à l'isolement, ce qui peut être bien, c'est de développer les tiers-lieux, c'est-à-dire les lieux de coworking, pour utiliser un terme anglais, de manière à ce que plusieurs télétravailleurs puissent se retrouver ensemble et qu'on n'ait pas cet isolement au domicile qui peut avoir des impacts aussi sur la santé au travail. Sur les équipements, c'est effectivement à l'entreprise à les prendre en charge. Alors, soit à les fournir, soit à dédommager le salarié qui utilise ses équipements propres. Il y a aussi toute une question de réglementation de sécurité au travail. S'il y a un accident qui arrive pendant qu'on est chez soi et qu'on est au travail, c'est toujours un petit peu compliqué en termes juridiques. Donc il y a tous ces aspects-là. Ce qu'on remarque, c'est que les choses ont quand même sensiblement évolué. Il y a de plus en plus de télétravail qui se fait. Il y avait, je pense, une réticence des entreprises, mais vous nous le direz peut-être mieux que moi, sur le fait que voilà, il y a forcément une question de confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui n'est pas sur son lieu de travail, qui va à son domicile, il faut lui faire confiance. On ne peut pas forcément surveiller complètement son activité. Et donc, il y a forcément une confiance qui se fait. Je trouve que la législation qui a évolué et que c'est quasiment devenu un droit, le télétravail, sauf que l'employeur peut refuser si le travail ne se prête pas au télétravail. Je pense que ça doit rester volontaire, c'est-à-dire pas obliger un salarié à faire du télétravail s'il n'en a pas envie. Il y en a qui n'ont pas la capacité de le faire tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas forcément à se concentrer quand ils sont chez eux, et c'est bien compréhensible. Donc faire vraiment attention à toutes ces questions. Après, sur l'organisation du temps de travail, je ne crois pas que ce soit à la loi à régler l'organisation du travail. Chaque entreprise est différente et c'est au niveau de l'entreprise qu'on doit négocier l'organisation du temps de travail. Ça ne peut pas être la loi qui dit ben, on va travailler 4 jours quand c'est possible. Tout simplement parce que là encore, au-delà des aspects quantitatifs, ça va intensifier les journées de travail, si on ne travaille que sur 4 jours. Et ceux qui ont des temps de déplacement, on y revient, très longs, ça peut faire des journées très longues. Et au final,
être beaucoup plus fatigant de travailler 4 jours que de travailler 5 jours. Donc il faut tout regarder, hein. c'est pas si simple. Merci. Merci. Alors, plusieurs points que je voudrais mettre en avant. La première, c'est que donc moi, je représente la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc, ce sont beaucoup de petites entreprises, d'artisans, de TPE, PME, etc. Ceci étant, ce thème de la mobilité ou d'aménager la mobilité pour réduire la pollution et les émissions de CO2, c'est un thème qui nous sont chers aussi, puisque nous sommes aussi des citoyens et concernés par le monde dans lequel on vit. Après, il faut que l'on puisse le faire. Enfin, il y a une blague que l'on fait régulièrement, c'est l'employé qui dit à son patron, « Patron, patron, je voudrais faire du télétravail. » Et le patron lui répond, « Oui, d'accord, mais t'es maçon, c'est pas facile. » Donc je veux dire, il faut aussi que ça s'adapte à l'entreprise, à la taille de l'entreprise, à l'organisation de l'entreprise. Moi, je suis d'accord avec une partie de ce qu'a dit mon voisin. Le télétravail, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut simplement pouvoir le faire. Il faut que l'organisation de l'entreprise s'y prête, que la taille de l'entreprise s'y prête. Je pense que dans nos entreprises, quand on peut le faire, on le fait. Il y a des conditions, effectivement. Il y a une question de confiance vis-à-vis du salarié. Je veux dire, un salarié qui est, on va dire, 35 heures par semaine dans l'entreprise, vous avez confiance en lui et vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vous dire, bah, s'il veut faire du télétravail, s'il est volontaire ou si j'en ai besoin et qu'il l'accepte, pourquoi pas. Il y en a d'autres où on est réticent. Et vous l'avez dit, M. Poitier, il faut que la personne soit volontaire. Il faut aussi que l'entreprise lui offre cette possibilité. Il y a un point qui est important pour nous aussi, c'est nous, entreprises, nous avons déjà des charges qui sont assez importantes sur le coût du travail, sur les déplacements, sur demain, nos salariés font du télétravail, on est dans l'obligation soit de leur fournir le matériel pour le faire, soit de leur financer. Moi, je dis simplement attention, nos entreprises déjà souffrent de la concurrence par rapport au coût du travail, donc soyons vigilants. Un autre point concernant les espaces de coworking, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis président de la CCI du Val d'Oise. L'une des premières décisions que j'ai prises lorsque j'ai pris la présidence, c'est de mettre à disposition à Cergy des espaces de coworking pour des salariés qui habitent Cergy et la région et qui doivent aller dans Paris tous les jours. Il y a des périodes de grève, c'est pas facile. Il y a des périodes aussi où c'est moins facile aussi pour d'autres raisons. Donc c'est un thème qui nous est cher aussi et on voit se développer de plus en plus. Notamment, là, moi, je parle en région parisienne, des espaces de coworking qui sont mis à disposition des entreprises et des salariés. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Concernant les statistiques, j'en ai pas. Non OK. Plus. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez réagir ? Juste un mot par rapport à ce que Philippe a dit sur la question en fait, du télétravail. On a l'impression que c'est une règle de trois, finalement, et que, du coup, puisqu'on reste chez soi, il y a moins de déplacements. C'est-à-dire on va gagner 20% de déplacements de gaz à effet de serre. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Philippe a dit on fait d'autres choses dans sa journée. C'est-à-dire que quand on est au travail, on est captif, alors que quand on est chez soi, on a la possibilité, on est dans son environnement, de faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. C'est-à-dire qu'en télétravail, on travaille plus. Mais on organise différemment la journée. Et on génère du déplacement. On a la possibilité d'aller chercher les enfants, de faire des courses. Mais l'amplitude horaire de la journée est beaucoup plus longue. Ce qui fait qu'on se déplace. Même en étant chez soi, ce n'est pas des déplacements professionnels, mais c'est des déplacements qui sont quand même générés. Donc en fait, il faut faire attention aussi, règle de 3, ce n'est pas parce qu'on reste chez soi qu'on va économiser 20% de gaz à effet de serre. Merci pour ce premier tour. Vous avez vu, j'ai été distrait, mais c'était une belle occasion, une belle photo de cet échange. On repart sur une série de questions de votre côté, des commentaires sur ce qui vient d'être dit ou d'autres questions autour du rôle donc, des entreprises et administrations pour organiser les déplacements et penser les déplacements de salariés et agents. Donc dans le cadre de la réduction des déplacements, qu'en est-il des plans de mobilité intra- et inter-entreprise ?
Est-ce que c'est mis en place? Est-ce que c'est obligatoire? Sinon, est-ce qu'on peut le rendre obligatoire? Voilà. Donc vous avez discuté de ce qui existe déjà et de comment travailler sur ces plans de mobilité à l'intérieur des entreprises et entre les entreprises. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Par contre, il y a des discussions qui sont entamées soit dans des entreprises, mais plutôt des entreprises de taille importante, soit sur des zones d'activité, voire des communes. Qui travaillent sur ces thèmes, qui sont des thèmes chers. J'avais participé un jour à une réunion où la ville de Vélizy-Villacoublay avait expliqué ce qui se faisait à l'initiative d'un certain nombre de grosses entreprises qui avaient mis en place un plan de mobilité et qui avaient associé l'ensemble des entreprises du bassin, incluant les TPE-PME. Donc ça, c'est vraiment un exemple qui marche. Moi, je sais que sur Argenteuil et sur Beson, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises en place, qui sont prises. Et les entreprises, bien entendu, jouent le jeu. Hein. Encore une fois, nous, notre rôle, on est des citoyens, on veut la même chose que tout le monde. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des salariés qui soient motivés, investis dans leur travail. Je veux dire, quelque part, on parlait du covoiturage tout à l'heure. S'ils font le déplacement à trois et qu'ils sont de bonne humeur, qu'ils s'entendent bien, qu'ils arrivent avec le sourire au bureau, le patron sera content, plus content que s'ils viennent à trois en faisant la tête parce qu'ils étaient dans des bouchons et qu'ils ont pris du temps. Moi, je pense qu'il y a un aspect aussi sur lequel il faut insister, c'est un petit peu l'aménagement. Je veux dire, je vais vous donner un exemple dont je parlais il y a quelques minutes avec mes voisins. Vous avez en région parisienne, on a créé une ligne de tramway. Alors, je ne sais plus le numéro, je crois que c'est la T4, mais j'en suis pas sûr, c'est la T4 ou la T11, qui s'arrête à Beson, dans le Val d'Oise. Vous traversez la Seine, vous avez le terminal, et puis vous avez rien. C'est-à-dire que vous avez des immeubles autour, vous avez une ville autour, mais vous n'avez pas un parking. Moi, je trouve quand même dommage qu'on crée des lignes de tramway et qu'on ne prévoit pas des parkings autour. Donc je dis ça un jour au maire de Beson en disant « Mais vous avez fait un terminal de tramway, pourquoi vous n'avez pas mis de parking ?» Il m'a dit « Oh là là, je ne veux surtout pas que ma ville devienne une ville dortoir. » Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une ville dortoir, premièrement? Et deuxièmement, enfin, moi, mon entreprise est à 1 km ou à 2 km. Je pourrais y aller déposer ma voiture là et quand j'ai des rendez-vous dans Paris, prendre le tramway. Eh ben non, une fois que je suis dans ma voiture, qu'est-ce que je fais? Comme je ne peux pas me garer, ben, j'ai en Paris en voiture. Et je trouve ça dommage. Donc je pense qu'il faut aussi... quelque part, que les politiques, les maires, les comités d'agglo, les départements, les régions, l'État réfléchissent un petit peu à faire... il faut inciter les gens à prendre des transports en commun. Si c'est une contrainte, excusez-moi, mais ils vont continuer à prendre leur voiture. Quoi, hein. Et il faut être un petit peu intelligent et malin. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, il y a une obligation qui est née avec la LOM, la loi d'organisation des mobilités. En fait, il y a eu un travail il y a quelques mois avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les différentes organisations syndicales de salariés et les différentes organisations patronales, des représentants de ce qu'on appelle les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité, des représentants des collectivités locales, le ministère du développement durable et le ministère du travail. Et on a eu tout un tas de discussions, un peu comme vous le faites là, pour voir comment justement on pouvait améliorer cette histoire de déplacement domicile-travail. Sachant qu'il y avait une loi de 2015 qui avait déjà instauré ça, mais d'une manière facultative. Donc, bon, on a échangé, on a fini par trouver une solution. Après, il y a eu quelques arbitrages interministériels, on va dire. C'est un peu tombé à l'eau. Et ça a été malgré tout repris dans la LOM. Alors, ça se caractérise en fait pour tous les établissements qui ont plus de 50 salariés. Il y a obligation de négocier les plans de déplacement. Cette obligation, en fait, dans l'organisation du dialogue social, il y a plusieurs blocs. Hein, il y a un bloc qui concerne les conditions de travail et l'égalité professionnelle. Et donc, dans ce bloc-là, il y a une nouvelle obligation qui a été mise en place, qui est celle de négocier des plans de déplacement en entreprise ou inter-entreprise. C'est-à-dire, quand dans une zone, on a plusieurs entreprises,
même qui peuvent être de petite taille. Là aussi, on peut organiser un plan de déplacement. Donc ça, c'est une obligation qui est toute nouvelle. La loi, il y a encore certains décrets à paraître, hein, pour que ce soit complètement applicable. Mais ce que prévoit la loi également, c'est qu'il y a une période de 18 mois hein, pendant laquelle ces négociations doivent avoir lieu et un bilan qui sera fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant de viser, c'est-à-dire de voir au bout de 18 mois ce que ça a produit, ce que ça n'a pas produit. Est-ce qu'il y a simplement, malgré l'obligation, 10% des entreprises qui se sont emparées de la chose et qui ont fait des plans de mobilité, ou est-ce qu'il y en a 50% ou 60%? Et certainement qu'on pourrait rajouter des contraintes si on n'arrivait pas à un pourcentage satisfaisant d'entreprises qui ont répondu à leurs obligations. Alors, peut-être deux mots sur comment est organisée cette négociation, parce que la loi cadre un peu les choses. Dans un premier temps, l'entreprise, quand je dis l'entreprise, ce n'est pas forcément la direction et l'employeur. Hein, quand je dis l'entreprise, c'est l'employeur et les représentants du personnel, doivent regarder l'offre de services de déplacement qu'il y a sur le territoire. Dans un deuxième temps, l'idée, c'est de faire un état des lieux du déplacement de chacun des salariés. Hein, le lieu de travail, on le connaît, bien sûr. Et après, en fonction du domicile de chacun, de regarder comment chaque salarié se déplace. Et à la suite de ça, c'est d'organiser des déplacements qui soient plus vertueux en termes environnementaux. Donc ça peut être du covoiturage, ça peut être pour ceux qui sont proches de l'aide pour acheter un vélo à assistance, ça peut être de l'aide pour acheter une voiture hybride, etc. etc. Et l'État et la loi a prévu qu'il y aurait une somme de 400 euros qui serait ni soumise qui ne serait pas soumis aux charges sociales ni à l'impôt, qui pourrait être alloué, ses parents, hein, qui pourrait être alloué au maximum, après c'est fiscalisé, à chaque salarié. Donc quand on négocie ce type de plan de déplacement, on négocie également les aides qu'on pourra donner à chacun des salariés. Hein, et l'idée, c'est vraiment de favoriser des déplacements plus vertueux. Il y a quelques anciens comme moi dans la salle. Ça existait avant. Hein. Avant, on avait... Bon, c'était souvent des usines beaucoup plus grosses, mais il y avait souvent... Et les gens avaient beaucoup moins de véhicules particuliers que maintenant. Et il y avait souvent des bus qui ramassaient les salariés et qui les emmenaient au travail. Hein. Donc on réinvente un peu les choses, mais voilà. Et donc moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que cette mesure, est-ce que les partenaires sociaux vont s'emparer de cette mesure pour vraiment faire des plans de déplacement, ou est-ce que c'est encore une mesure, qui une obligation qui sera pas forcément respectée. Parce que quand on négocie dans une entreprise, on doit aboutir à un accord. Hein, mais on ne veut pas obliger à ce qu'une entreprise signe un accord. Hein, c'est toujours volontaire, c'est toujours un engagement des deux parties, un accord. À défaut d'accord, il y a obligation pour l'employeur de mettre en place un plan unilatéral de déplacement. Hein, et à défaut de plan unilatéral, il n'y a pas forcément de choses prévues. Et peut-être que là aussi, on pourrait dire que si l'employeur n'a pas négocié, n'a pas fait de plan unilatéral, alors les salariés pourraient bénéficier des fameux 400 euros de manière automatique. Très bien. Merci beaucoup. Vous vouliez faire un commentaire rapide là-dessus ? Ok. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va prendre un dernier tour de questions. Enfin, on verra si on a le temps pour encore un prêt. Donc, de votre côté... Et moi, je vais vous poser aussi une question après. Mais d'abord, on va voir s'il y en a là. Ok, Christine.
Oui, donc vous avez parlé du forfait mobilité là, de 400 euros qui actuellement est facultatif. Dans l'hypothèse où on le rendrait obligatoire, à votre avis, quelle est la taille de l'entreprise qui serait judicieux de mettre pour éventuellement le rendre obligatoire? Donc ça renvoie à une discussion que vous aviez hier, en effet, dans le groupe, sur cette taille. Moi, j'ai une question à savoir qui organise ces plans de déplacement dans les entreprises. Est-ce que c'est une personne qui, du coup, abandonne son temps de travail pour travailler là-dessus? Est-ce qu'il faut prévoir de créer des postes pour mettre en place ces plans de mobilité dans les entreprises? Est-ce que, je sais pas, c'est les intercommunalités? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de l'entreprise? Est-ce qu'il y a besoin de personnel pour mettre ça en place? Merci. Et est-ce qu'on a de ce côté? Oui, Guillaume. Alors, justement, sur ces plans de mobilité, qui est un petit peu obligatoire pour les entreprises, même si elles ne le font pas, est-ce qu'il y a un moyen de contrôle pour savoir si l'entreprise est impliquée dans le plan de mobilité de ses salariés? Et quel est l'organisme qui fait le contrôle, s'il y en a un? Merci. Et donc j'ajoute une question de mon côté. Quand on reprend le thème concertation entre les entreprises et les administrations pour penser et organiser les déplacements de leurs salariés et agents, pour vous, dans les 10 ans qui viennent, quel va être l'élément le plus facilitateur pour accompagner cette transition et l'élément le plus bloquant, pour donner en perspective de où c'est que ça va être dur et où c'est au contraire on va avoir un levier dans cette direction? Alors, qui veut commencer? Alors, qui fait le travail? Je ne crois pas que ça va créer forcément de l'emploi, cette histoire-là. C'est en fait du rôle et des représentants des salariés et des ressources humaines, ce qu'on appelle le service des ressources humaines, quand on a une négociation, que de préparer tout ce qu'il faut pour bien négocier. Alors, je pense qu'il faudra certainement inventer des outils pour faciliter la vie des entreprises de manière à avoir un peu un guide pour savoir comment je fais mon état des lieux. À partir de cet état des lieux, comment je m'y prends pour organiser au mieux les déplacements des salariés. Il faudra peut-être certainement qu'il y ait des outils nouveaux, et notamment numériques, du type Blablacar, mais Blablacar courte distance, pour dire, voilà, si je veux organiser du covoiturage, moi j'habite à tel endroit, je travaille à tel endroit, et qu'on puisse trouver des véhicules. Il ne faut pas, je pense, voir le covoiturage nécessairement comme des collègues de la même entreprise qui voyagent ensemble. Ça peut être des salariés d'entreprises différentes qui sont sur un même endroit ou sur le parcours qui me mène au travail, qui pourra me prendre en passant et m'emmener où je vais. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et on a des outils modernes qui peuvent vraiment faciliter ça. Hein, donc je pense que c'est important de dire ça. Alors quel est le moyen de contrôle? Alors l'obligation est assez récente, hein, parce que la LOM vient d'être promulguée, donc c'est très récent. Et c'est pour ça qu'il y a une période de 18 mois pour voir les effets que ça aura concrètement. Alors, qui contrôle ça? En fait, on a ce qu'on appelle, dans chaque département, des observatoires du dialogue social. Et leur première, ils ont trois missions différentes, mais une de leurs missions, leur première mission, c'est justement de faire le suivi de la négociation salariale, enfin, pas salariale, mais entre partenaires sociaux. Et il y a un état des lieux national qui est fait sur la négociation collective. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on pourra voir si les entreprises se sont saisies de cette obligation ou pas. Sur ce qui est facilitateur ou bloquant, je pense qu'un point bloquant dans les dispositions de cette loi, c'est le niveau inter-entreprise.
Sur le niveau entreprise, on imagine assez bien. Ça dépend effectivement de la bonne volonté des acteurs, mais on imagine assez bien comment ça peut se passer. Sur une zone, je sais pas, je prends une zone commerciale par exemple. Là, c'est facile à imaginer, hein, puisqu'on a des salariés qui vont au même endroit, qui doivent se déplacer de leur domicile à leur travail, mais qui négocient ? Ça, c'est une vraie question. Donc nous, on pense que ce sont plutôt ce qu'on appelle nos organisations interprofessionnelles, hein, qu'elles soient syndicales ou patronales, qui doivent se saisir et qui doivent faire cette négociation en lien avec les AOM, les autorités d'organisation de la mobilité, pour essayer de trouver quelque chose qui, voilà, qui est pas trop bête et qui fait que ça facilite le trajet des salariés. L'entreprise a tout à gagner à ce que la vie des salariés soit facilitée, puisque c'est moins de fatigue. Donc, c'est, pour une entreprise, c'est plus de productivité. Et c'est intéressant pour les deux côtés. Ce que je voulais simplement rajouter, c'est que quand on négocie un plan de déplacement, on parle certes des trajets, mais on parle aussi de l'organisation du temps de travail. Hein, c'est-à-dire que on peut imaginer que pour que ça corresponde au transport en public, on décale les horaires de travail, hein, pour faire une correspondance entre les deux. Et donc là, c'est certainement important, à un moment donné, que les autorités d'organisation de la mobilité puissent être saisies ou interpellées par ceux qui négocient dans les entreprises, de manière à essayer de faire coïncider l'offre et la demande des deux côtés. Y compris, ça pourrait être de modifier certains horaires de transport en commun pour que, ce soit, si on prend une zone commerciale, ce ne soit pas que les clients qu'on amène sur cette zone commerciale, mais qu'on pense aussi aux salariés qui vont arriver un petit peu avant les clients, bien sûr. Et sur ce qui va être facilitateur, ben j'ai déjà un petit peu répondu. Je pense que c'est tous les nouveaux outils, hein, qu'on a à disposition qui peuvent... on peut envisager de faire des choses qui étaient impossibles avant, hein, notamment pour organiser le covoiturage. N'oublions pas que si on fait du covoiturage sur une semaine, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus rentable que de faire un jour ou même deux jours de télétravail, hein, puisqu'on réduit de 50%. Pardon ? On peut faire les deux. Très bien, merci. À condition de télétravailler en même temps. Pardon ? Sur la taille, mais oui, peut-être qu'on laisse Pierre... je sais pas, où... Non, mais on ne va pas être d'accord sur la taille. Moi, je vais vous dire que c'est dès le premier salarié et mon voisin va vous dire autre chose. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Là, on a réussi à se mettre d'accord sur 50. Voilà. Alors, l'argument, du coup, si vous n'êtes pas d'accord, l'argument pourquoi partir de 1 ? Et puis, on entendra l'argument d'à côté. Ben, quand on est syndicaliste et qu'on représente les salariés, on a envie que tous les salariés en profitent. C'est normal. Merci. Et mon voisin, je le laisse parler, je ne vais pas parler à sa place. Donc, allons-y. Oui, alors moi, je rappelle que, effectivement, je suis plutôt ici en tant que représentant des TPE-PME. Alors, moi, c'est clair que dans une entreprise, encore une fois, ce combat, c'est aussi le nôtre. Hein, on est tout à fait mobilisés sur ces questions-là. Maintenant, il y a aussi ce qui est possible de faire. Et dans des entreprises de 1, 2, 3 salariés, on ne peut pas appliquer des politiques comme on pourrait les employer dans des entreprises de 50, 100, 1000 ou plusieurs milliers de personnes. Donc c'est sûr que nous, je dirais que idéalement, il faudrait qu'on puisse l'appliquer sur des entreprises de plus de 50 salariés, mais je dirais que plus de 10, à partir de 11, ça me semble raisonnable. En dessous de 11, c'est quand même extrêmement compliqué. Qui organise ça ? Encore une fois, ma réflexion, c'est vraiment une réflexion de TPE-PME. Moi, je pense qu'il faut que les entreprises, que les petites et moyennes entreprises s'organisent entre elles, se regroupent pour travailler ensemble ces questions-là. Que quand il y a des grandes entreprises à côté, il faut que ces grandes entreprises, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'exemple de Vélizy, il faut que ces grandes entreprises... Je crois que sur Beson, il y a une initiative dont Atos est à l'origine. Je pense qu'il faut que les grandes entreprises incluent les TPE-PME dans leur réflexion et qu'elles les emmènent avec elles. Encore une fois, ces questions-là, ce sont aussi nos questions, quoi. Et je pense que aussi des communautés d'agglos, des associations de chefs d'entreprise et les CCI
travaillent sur ces questions-là et apportent leurs aides, quand, notamment, je vais parler pour les CCI, lorsqu'on nous sollicite pour avoir notre avis, on a des experts chez nous à la CCI et on les met à disposition et des entreprises et des groupements d'entreprises, voire des communautés d'agglos, pour amener des solutions, etc. Ensuite, pour mettre en place, je ne vais pas rajouter ce qu'a dit mon voisin, puisque je suis d'accord avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils pour faciliter la mobilité. Je pense qu'il y a des applications, par exemple, pour le covoiturage, qui sont très bien faites. Je veux dire, si on n'y arrive pas aujourd'hui, on n'y arrivera jamais. Vraiment, tous les outils sont là. Moi, les éléments bloquants, il y en a quand même quelques-uns. D'abord, si c'est l'entreprise qui paye tout, c'est pas possible, et notamment les petites. C'est juste pas possible. À un moment donné, on parle de bien-être des salariés, on parle de bien-être dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison que quelque part les salariés ne participent pas un petit peu à l'effort aussi. Il y a un point dont on ne parle jamais, c'est la question, et ça concerne aussi, c'est aussi une forme de mobilité, c'est les artisans qui se déplacent sur des chantiers. Que faisons-nous ? Alors moi, j'ai beaucoup d'artisans dans le Val d'Oise, ou des TPE, dont les chantiers sont dans Paris. Moi, ils m'interpellent tous les jours en me disant « mais je ne peux plus aller dans Paris, on fait tout pour m'emmerder. Mes clients sont dans Paris, je ne peux plus y aller. » Alors, il y a les périodes de grève et les périodes de gilets jaunes, on ne peut pas y aller. Mais il y a aussi en temps normal où on ne peut plus aller dans Paris, on ne peut plus se garer, on n'a pas le droit, etc. Alors j'ai interpellé un jour la maire de Paris en lui disant « je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie de la presqu'île du Val d'Oise ». Elle m'a dit « pourquoi la presqu'île ?» Je lui ai dit « regardez une carte hein. ». Et je lui ai dit « voilà, mes artisans, ils ne peuvent, plus aller dans Paris ». Et ils se plaignent. Elle me dit « ben voyez la région ». Ça tombe bien, quelques jours après, je vois Valérie Pécresse. Et je dis « Madame la Présidente, mes artisans ne peuvent plus aller dans Paris. Ils perdent des chantiers. Ça va faire des chômeurs. Ça va faire des boîtes qui vont couler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ?» Elle me dit « va voir la maire de Paris ». Je veux dire, les entreprises, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait une volonté générale. C'est bien beau de dire aux entreprises, faites ceci, faites cela, on vous oblige à faire ceci. Il faut aussi un petit peu de bon sens. Des TPE-PME, c'est, je vous rappelle, les artisans, c'est les premiers employeurs de France. Hein. Les TPE-PME, c'est 99% des entreprises dans ce pays aussi. Je veux dire, à un moment donné, il faut les inclure dans les réflexions, mais il faut aussi... quelque part les aider. Les petits patrons sont souvent tout seuls. Hein. On n'a pas, nous, dans nos boîtes, on n'a pas forcément de comité de direction, de gens avec qui on peut travailler sur ces questions-là. On est souvent bien seuls. C'est pour ça que moi, je prône pour qu'on réfléchisse ensemble à ces questions-là. Mais il faut aussi que l'entourage nous écoute. Je veux dire, on n'est pas juste une ligne sur une statistique. On n'est pas juste bon à payer quand il faut payer. Il faut aussi qu'on puisse... quelque part, qu'on comprenne aussi nos problématiques. Et nos problématiques, ce sont vos problématiques aussi. Hein. Du coup, sur un élément facilitant pour conclure. Je crois que je l'ai dit, moi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais dire, les espaces de coworking, ça existe. Encourager les gens au télétravail, quand on peut le faire dans le TPE-PME, sous réserve que les salariés soient motivés, qu'on ait confiance en eux et que ce soit raisonnable. Je vous ai dit, moi, je suis un homme de TPE. Mon épouse travaille dans une très, très grosse entreprise. Je lui parlais hier soir du télétravail. Elle m'a dit, ben, moi, j'ai droit à 2 jours par semaine, mais moi, j'y vais qu'un jour par semaine parce que sinon, je suis coupé du reste de l'équipe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se dit. Ce n'est pas évident. Et si je reste chez moi 2 jours et que le troisième jour, j'arrive pour commencer par demander qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là, je perds du temps. Donc, très bien. Voilà. Donc, merci beaucoup. Un dernier commentaire, peut-être, assez rapidement, puis on va clôturer cette... au bout, parce que... Juste pour conclure, mais très rapidement, et après, je passerai la parole à Nicolas. Juste pour vous dire que j'étais très admiratif du travail que vous faites et de votre investissement. Très curieux de ce que ça va produire. Je regarde ça de près. Et pour conclure sur le déplacement travail, je pense que vous avez compris, il y a une réflexion qui a déjà eu lieu, qui a été faite, que l'essentiel, c'est vraiment de surveiller qu'est-ce que ça produit ou que ça ne produit pas. Et ça, je pense que vous avez peut-être un rôle à jouer là-dedans. Il y a la LOM qui a mis des autorités d'organisation de la mobilité sur tous les territoires. Je pense qu'il faut se servir de cet outil. Et certainement aussi faire en sorte, mais là je plaide pour ma paroisse, qu'il y ait des représentants des salariés
qui soit obligatoirement, parce qu'il y a les employeurs, mais il n'y a pas les représentants des salariés, donc les représentants des salariés qui soient dans ces AOM. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, beaucoup. Je vous remercie. Dernier commentaire là, et on va arrêter. Oui, c'était sur les éléments facilitateurs. Et Philippe m'a coupé la chic, mais je vais quand même y aller pour développer. Mais finalement, dans les éléments facilitateurs, en fait, c'est pour que les entreprises ne soient pas seules. Quand j'ai les entreprises, c'est-à-dire à la fois salariés et chefs d'entreprise, c'est de se faire accompagner parce qu'il y a une grande technicité. C'est pas la question des mobilités, c'est hyper compliqué. Il y a des flux, il y a... Sur un territoire, c'est très, très complexe. Et donc, aujourd'hui, dans la loi d'orientation des mobilités, c'est une possibilité laissée aux AOM, donc, d'accompagner les entreprises, d'accompagner les gens. Je pense qu'il faut faire remonter ça dans les priorités des AOM. Il faut qu'elles accompagnent les entreprises et que ce soit une forme d'obligation. C'est-à-dire que quand on négocie, alors je pense notamment aux petites entreprises, mais quand une petite entreprise n'a pas les moyens humains et financiers pour mettre en œuvre un plan de mobilité, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne va pas avoir un consultant externe pour le faire, eh bien, en fait, les AOM sont là, les autorités organisatrices, pour analyser et pour porter expertise. Et il faut que ce soit, que ce soit relevé dans les priorités. Voilà. Et donc, sur la gouvernance, effectivement, là aussi, c'est une... La LOM, c'est presque aujourd'hui la loi de tous les possibles. C'est-à-dire, il y a beaucoup de possibilités, mais en fait, il y a peu d'obligations, il y a peu d'impératifs. Et donc, il faut être un peu plus péchu sur les impératifs. Philippe a parlé... de cette gouvernance. Les partenaires sociaux doivent être intégrés, bien évidemment, à cette question-là. Et le comité des partenaires, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans vos différents... vous avez le conseil d'administration qui, dans les AOM, qui gère. Donc, en fait, essentiellement, ce sont les représentants des collectivités. Et en dessous, vous avez le comité des partenaires qui fait le lien avec les usagers. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui les représentants de salariés, c'est dommage. Mais il faut aussi que le rôle et la fonction de ce comité des partenaires aient une fonction forte. Il ne faut pas, aujourd'hui, dans le texte de loi permet de finalement dérouler un PowerPoint, de dire, de présenter à la grosse les éléments. On fait une réunion par an et c'est fini. Il faut qu'en fait, il y ait un vrai rôle. Il faut un vrai rôle, en fait, une fonction de ce comité des partenaires. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Je propose d'applaudir nos trois intervenants et de les remercier. Merci. Et bon courage. Et bon courage. J'ai besoin des remerciements. Donc, on va passer au deuxième tour. Bonjour Florence. Et Frédéric Delorme de la SNCF. Donc bienvenue. Alors vous avez la chance d'avoir pu voir comment ça s'est passé dans le premier tour. Donc vous avez compris l'exercice. C'est voilà, d'abord un mot de présentation voilà, de qui vous êtes et où vous travaillez. Et ensuite, on ouvre les questions-réponses avec les citoyens et citoyennes. Bonjour, donc je suis Florence Berthelot. Je suis déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers, donc principalement du transport routier de marchandises. Alors le transport routier de marchandises en France et la logistique, c'est environ 500 000 emplois. Ce sont en moyenne des petites entreprises. Hein. Il faut savoir que 97% de nos entreprises sont des moins de 50 salariés et même des moins de 10, qu'on est implanté dans tous les territoires. Et c'est un secteur qui représente 53 milliards de chiffre d'affaires. Alors je pense qu'après, on aura l'occasion dans la discussion d'expliquer effectivement qu'aujourd'hui, c'est le principal mode de transport de marchandises en France, mais aussi en Europe. Et la dimension européenne, si on a effectivement le temps d'en parler, est extrêmement importante. C'est une dimension qui revient souvent dans nos discussions. Merci. Bonjour, donc Frédéric Delorme. Aujourd'hui, je ne suis pas en charge du transport de marchandises, donc je suis un peu usurpateur quelque part. Non, je vais être nommé au 1er mars responsable du pôle de la SNCF qui s'occupe du transport de marchandises multimodal. Donc quand on m'a proposé de venir avec un peu 15 jours d'avance, bah, j'ai dit je ne suis pas encore prêt, mais j'y vais quand même parce que le sujet est vraiment majeur. Et ça m'intéresse vraiment de discuter avec vous de votre vision du lien avec le climat, puisque c'est le sujet. Hein. Y a une forme d'urgence. Donc le transport de marchandises dans le groupe SNCF, c'est d'abord fret SNCF, c'est 5 500 personnes,
c'est aujourd'hui que 60% du transport de marchandises en France, puisque depuis 15 ans, le marché est ouvert à la concurrence. Il y a 40% qui sont faits par d'autres sociétés. D'ailleurs, c'est intéressant de comparer qu'est-ce qui se passe avec des concurrents qui sont privés ou publics, voir comment ça évolue. Et puis par ailleurs, donc, dans le groupe, il y a un certain nombre de sociétés en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc ça nous permet d'observer ce qui se passe ailleurs aussi et de voir ce que les autres pays ont fait pour soutenir le transport de marchandises sur le rail. Très bien, merci beaucoup. Donc bienvenue, on est parti pour une série de questions. Alors qui veut commencer ? Je vais en récolter 4-5. Ahmed, donc tu as le droit à 2 maintenant. Bon, bah du coup, oui. Ça, c'est la SNCF. Ça, c'est les transports routiers. Bon, bah, du coup, je vais poser la question de notre groupe pour les transports routiers. Du coup, on a marqué, au vu des problèmes climatiques et de la part de responsabilité des modes de transport à énergie fossile, quelles sont les alternatives que vous proposez et pourquoi pas le ferroutage ? En gros, une fusion possible avec la SNCF. Alors, c'est... Pardon. Pardon. Ensuite, pour la SNCF, on va commencer par les toutes petites mignonnes. Non, c'est... Quel est l'état des réseaux ferroviaires en France aujourd'hui et en Europe ? Et y a-t-il des lignes existantes qui ne sont pas utilisées ? Donc c'est la question de capacité. Est-ce que ouais. La capacité de... Et peut-être qu'on peut rajouter, avez-vous des projets de construction de lignes ? C'est des trois qui vont ensemble, entre guillemets. Je repasserai. Très bien, merci Amel. Guillaume ? Alors moi j'avais une question avec deux petites questions à l'intérieur. Alors pour la SNCF, pourquoi le ferroutage ne se développe pas à la SNCF, puisque depuis quelques années, on s'aperçoit que ça diminue de plus en plus. Et surtout, quel est le montant d'investissement qu'il faudrait faire pour faire trois grands axes nord-sud, nord-ouest et ouest-est. Voilà, ça c'est ma question. Et pour le transport routier, quels sont en fin de compte les leviers que vous avez au niveau des entreprises pour faire baisser l'impact carbone sur les transporteurs et pour vous comment l'entreprise de transport va pouvoir s'organiser pour faire baisser un petit peu l'impact carbone. Voilà, donc d'autres questions de ce côté-là ? Christine. Oui, donc au niveau de la SNCF, on avait parlé si on limitait les vols intérieurs en avion, on se demandait si la SNCF aurait la capacité de compenser ces vols intérieurs en augmentant le nombre de places dans les TGV. Est-ce qu'il y aurait assez de places en fait pour en train ? Et puis, on avait parlé aussi de si la SNCF a le monopole des transports, entre guillemets, intérieurs, comment être sûr qu'elle ne va pas augmenter ses tarifs de billets ? Très bien, merci. Donc là, une série de questions, mais aussi dans les autres, une des grandes discussions dans le groupe, c'est ces effets de vase communicant, c'est-à-dire si on appuie sur un morceau du système, ça va avoir des conséquences sur l'autre, et comment on gère ces conséquences ? Oui ? Suite de questions de Martine. Si on pouvait nous apporter au niveau des tarifs SNCF, donc un peu plus de lisibilité dans les prix des billets de train qui sont parfois plus chers que les billets d'avion. Voilà, Daniel, et après on vous laisse répondre. Et moi je voudrais savoir si en Europe il y a des exemples concrets de ferroutage réussi, de création de lignes ferroutage de pays à pays, du sud vers le nord, avec des infrastructures dédiées à ça. Merci. Allez, on y va. Bien, merci de vos questions qui reviennent depuis des années. Enfin, je veux dire, tous les gouvernements successifs se sont emparés de cette question. Alors, sans remonter aux calendes grecques, il faut savoir que le transport routier s'est développé bien après le mode ferroviaire, dans la révolution industrielle, et que, en fait, la logique de départ, c'était effectivement ce qu'on appelait le transport combiné. J'y reviendrai parce que c'est important. C'est-à-dire combiné, c'est rail-route, fleuve-route, etc.
Et pour tout vous dire, en 1934, on a créé la première loi qui visait à limiter le transport routier qui prenait trop d'importance par rapport au ferroviaire. Déjà. Donc c'est une question qui est très ancienne. Et donc c'était des lois contraignantes qui donnaient des licences aux transporteurs routiers pour qu'ils puissent se déplacer de façon à ce qu'on puisse privilégier le transport par voie ferroviaire. Bon, sans faire l'histoire, ça a été réactivé en 1949 et tout, et on s'est toujours aperçu que malgré les contraintes réglementaires, purement réglementaires, en réalité, le transport routier n'a jamais cessé de monter. Donc c'est un sujet qui continue, et j'en parlais avec mon voisin tout à l'heure, le transport ferroviaire continue de baisser. Et quand je dis ferroviaire, quand on parle du ferroutage, en fait, on parle de plusieurs choses. Je ne vais pas être trop technique. Il y a le fait, souvent les gens disent, on met le camion sur le train. Alors ça existe, ça s'appelle les autoroutes ferroviaires. En soi, ce n'est pas intéressant de mettre un camion entier sur le train parce que vous transportez du poids mort. Le mieux, c'est de mettre de la marchandise, du camion vers le train. Donc là, transport combiné, c'est ce qu'on appelle une caisse mobile, hein, un conteneur qui va passer d'une plateforme de camion au train. Et puis, vous avez le transport ferroviaire pur qui se fait par citerne, par wagon, etc. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que depuis plusieurs années, les causes sont véritablement multiples. Le transport ferroviaire diminue, le transport routier augmente. Donc c'est un sacré défi aussi pour le transport routier parce qu'on se tourne vers nous en disant « mais c'est de votre faute ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je dirais, et c'est pour ça que je reviendrai sur l'ouverture européenne, on a toujours eu un problème avec le prix du transport routier qui, d'une certaine façon, a toujours été considéré trop bas. Et un des enjeux des gouvernements successifs a été de dire « on augmente le prix du transport routier, alors en général sous forme de taxes hein, ». Ben, faisons des taxes et comme ça le prix du transport routier va augmenter. Sauf que dans un marché maintenant européen ouvert, ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous vivons au niveau européen dans le transport routier de marchandises. On est à la croisée des chemins. En matière internationale, en France, on a perdu 85% de parts de marché en Europe. Et qu'aujourd'hui, là où la part du pavillon étranger était assez limitée il y a quelques années, aujourd'hui, elle est très importante, en fait. Dans les moyennes, 40% des camions que vous voyez sont des camions étrangers et qui ne sont pas aux mêmes conditions, ni sociales, ni fiscales, que les Français, et donc qui ont un avantage compétitif. Et évidemment, pour les clients du transport, c'est plus intéressant, surtout sur la longue distance, d'aller vers des transporteurs qui sont moins chers. Au niveau européen, on bataille depuis des années pour essayer de mettre une égalité de concurrence. Souvent, le différentiel se fait sur le social, hein, sur le salaire, sur les charges sociales, etc. On est en pleine négociation depuis 3 ans sur le paquet mobilité qui, normalement, va essayer de rétablir un tout petit peu d'équilibre et d'égalité de concurrence. Mais c'est très compliqué dans une Europe à 27. Sur la question de l'impact carbone, pour nous, c'est une question majeure. C'est un défi. On sait que notre secteur est mal connu, méconnu, voire pas aimé. Les routiers sont plus sympas depuis très longtemps. Et pourtant, je dirais que les transporteurs routiers se sont véritablement emparés de cette question depuis assez longtemps. Alors, il y a de multiples actions. On a écrit notre contribution citoyenne et j'espère que vous pourrez la constater. Il y a des engagements volontaires pour l'environnement qui ont été adoptés par les transporteurs, qui vise à travailler sur l'éco-conduite, réduire, je dirais, la consommation de carburant, qui a considérablement réduit hein, depuis 10 ans, d'avoir de nouvelles organisations, d'optimiser le chargement des véhicules. Donc, il y a énormément de leviers. Nous, notre difficulté, c'est qu'on fait un service, mais avec des véhicules qu'on achète. Et là, on a besoin de discuter avec les constructeurs. Les constructeurs de poids lourds, en fait, depuis des années, ont chacun leur stratégie de recherche et développement. Le diesel a toujours été un carburant utilitaire. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on n'a jamais fait circuler un camion autrement qu'avec du diesel. Et c'est parti dans le domaine automobile dans les années 90, où certains constructeurs de voitures ont dit bah, « Tiens, on va mettre aussi du diesel dans les voitures. » Et donc, la dieselisation, finalement, et les voitures, etc., elle est venue bien après nous. Donc, le diesel, bien entendu, aujourd'hui, on connaît les enjeux de santé publique, etc. Donc, vers où on peut aller ?
Alors, on a déjà des solutions. Et ça, c'est assez récent. Depuis 5 ans, on a un vrai déploiement, pour l'instant, d'une énergie alternative qu'on, bien entendu, on va considérer comme de transition. C'est le gaz naturel véhicule. Aujourd'hui, certains constructeurs sont partis dans cette direction et nous participons, nous transporteurs, au déploiement de stations d'avitaillement, parce que ce n'est pas le tout d'avoir les véhicules, il faut aussi les stations où on peut remplir les réservoirs, de gaz naturel qui est liquide, compressé, en général le liquide pour la courte distance, le compressé pour la courte distance. Ce sont de nouveaux camions, 30% plus chers que des camions diesel, et sur lesquels... le levier a été intéressant, c'est que le gouvernement a admis qu'on puisse avoir un suramortissement pour l'achat de ces véhicules qui sont 30% plus chers, donc pour aller dans cette direction. L'avantage du gaz, c'est que déjà en particules, c'est zéro particule. Donc pour aller en ville, ça va. Pour les futurs ZFE, on aura déjà le gaz. En termes de CO2 aussi, il y a une réduction de 15%. C'est encore plus pertinent quand on travaille avec du gaz qui a été méthanisé à partir de déchets organiques ou agricoles. Ça existe. Ça se fait dans les régions, d'ailleurs, en économie circulaire entre le monde agricole et le monde du transport. Et dans ces cas-là, on va dire vraiment ce qu'on appelle, nous, du berceau au tombeau, dans le cycle complet du véhicule, c'est moins 80% d'émissions de CO2. Donc ça, c'est un premier levier. L'électrique. L'électrique, c'est plus pour les plus petits véhicules. Et pour les gros véhicules, pour l'instant, il n'y a pas encore de solution idéale, sauf peut-être de l'hybride. Et je ne vais pas monopoliser trop longtemps la parole, mais nous, notre souci, c'est notre volonté, c'est d'aller vers l'hydrogène. On pense que l'hydrogène, on pourrait être le secteur du déploiement vraiment d'une motorisation hydrogène. Bien entendu, à condition qu'elle soit biohydrogène, parce que vous savez pas que le biohydrogène, on ne casse pas du gaz fossile pour faire de l'hydrogène. Donc, en fait, il faut là aussi aller vers le bio. Nous, on est très volontaristes pour aller vers ça. On a été un peu oubliés des plans hydrogène ces dernières années. Mais globalement, voilà quels sont les leviers. Ce qui n'empêche pas de dire que, pardon, sans monopoliser la parole, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, nous, vers l'intermodal. C'est-à-dire qu'on ne veut que du camion. Globalement, le but, c'est justement de montrer que nous, transporteurs, nous sommes les premiers clients de l'intermodal et que dès lors que ça fonctionne, on va dans cette direction-là. Pardon. Très bien, merci. Merci. Bien que je vais me concentrer sur les marchandises, je vais quand même répondre d'abord peut-être rapidement aux questions sur les voyageurs. En tant que dirigeant de l'entreprise, j'ai une petite vision. Il n'y a pas de problème de capacité à acheter des TGV. Hein. S'il y a du marché, s'il y a une demande de transport sur le sol plutôt qu'en avion, on saura acheter des TGV. Le problème, c'est la place sur les voies. Et donc, il faut changer de système de signalisation, il faut changer de système de contrôle-commande, comme ça que ça s'appelle, qui permettent de mettre plus de trains enchaînés les uns derrière les autres. Et si je prends par exemple la ligne Paris-Lyon, hein, qui dessert tout le sud-est et le sud-ouest de la France en passant par Lyon, bah aujourd'hui, elle arrive à saturation. Il n'y a plus une place pour rajouter un train. Et donc, il va falloir changer de système et passer à un système européen qui s'appelle ERTMS. Donc, c'est des investissements d'abord d'infrastructure plutôt que des investissements. Mais il y a la capacité à faire. Ce n'est pas d'impossibilité technique, bien sûr. Ensuite, monopole, bah, c'est fini. Hein. D'abord, le monopole n'a jamais existé puisque tout le monde a le choix de prendre la voiture, le car... les cars Macron, par exemple, ou le TGV. Bon, donc le choix, il existe quand même en intermodal. C'est notre premier concurrent. Et je vais revenir sur le marchandise. C'est la même chose. Par contre, c'est ouvert. Maintenant, le marché va s'ouvrir progressivement sur le transport de voyageurs, puisque, par exemple, pour les lignes à grande vitesse, le marché est ouvert. Alors, il faut que quelqu'un accepte d'investir, de demander un sillon à réseau et puis de mettre ses trains en circulation. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu les concurrents, mais il y en a qu'on sait qui se préparent hein, dans l'ombre. Et puis sur le transport régional, vous avez parlé d'autorité organisatrice tout à l'heure, les régions ont le droit maintenant d'ouvrir à la concurrence, de faire des conventions avec d'autres transporteurs, qui peuvent être français ou étrangers. Et si je prends la région Grand Est ou la région PACA, Hauts-de-France, il y en a certaines qui ont déjà manifesté l'intention de ne pas ouvrir tout le transport de voyageurs, mais une partie. Voilà. Après, la visibilité des billets, bon, je suis plus embêté parce que je ne suis pas spécialiste du marketing, mais ça va du petit prix quand même, avec le Ouigo jusqu'à des prix plus élevés. Donc à un moment donné, on peut avoir un prix plus élevé qu'un avion, c'est vrai. Mais après, il faut prendre l'ensemble des données parce que c'est vrai que l'avion, il y a des ruptures de charge. Donc en général, ce que vous regardez, c'est le temps de transport, le confort
et le prix pour décider. Et il ne faut pas regarder que le prix, il faut regarder l'ensemble. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir à des moments des certains billets qui sont plus chers que l'avion. Mais en même temps, il faut reconnaître que nos trains sont bien remplis et donc il y a une demande. Voilà. Rupture de charge, ça veut dire quoi ? Alors, rupture de charge, ça veut dire changer de mode de transport. Vous prenez une voiture, puis ensuite vous prenez un bus, puis ensuite vous prenez un train, puis ensuite vous prenez un avion. Donc quand vous allez à l'aéroport, il y a quand même des temps d'attente très importants. Bon, les trains ne sont pas toujours à l'heure, mais les avions non plus. Donc je pense que le choix que vous faites, il est fonction de tout ça. Okay. Voilà, je reviens sur les marchandises, puisque c'est mon domaine. Je trouve très pertinent que vous insistiez sur le réseau. Hein. Alors il n'y a pas de problème de capacité en grand. Il y a des endroits où il faudrait désaturer les nœuds. Je pense à Lyon, faire un contournement de l'agglomération lyonnaise. Il y a d'autres grandes agglomérations parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle demande de transport de la vie quotidienne qu'on met des trains TER et on parle de RER métropolitain comme en Ile-de-France un peu partout. Donc ça occupe les voies. Et ça occupe les voies à des moments où les trains de fret, du coup, ils ne peuvent pas passer à ce moment-là. Et puis la nuit, comme le réseau est très très ancien, vous le savez, on a... Voilà, pour des raisons politiques, historiques, plutôt investis, tout le monde le sait, sur les TGV par le passé que sur le réseau classique. C'est en train de complètement de changer, hein, puisqu'on est en train de passer de quelques milliards à 6 milliards d'euros investis sur le réseau classique, mais ça prend du temps. Et ben, les travaux, ils sont la nuit. Donc le problème pour les trains de fret, c'est de se faufiler là-dedans. Donc le vrai sujet, c'est plutôt comment on organise globalement la place sur les voies déjà existantes, qui sont électrifiées, donc qui sont en mode propre, pour pouvoir faire plus de trains de fret. C'est possible, mais ça suppose de discuter avec chacun, et en particulier avec les régions, pour trouver la bonne voie pour passer. Des investissements pour le ferroutage, il y en a eu beaucoup déjà en France. Alors, c'est surtout les plateformes d'échange effectivement entre les camions et puis le rail. C'est ce qu'on appelle la rupture de charge dont je parlais tout à l'heure. Donc soit on prend la remorque du camion, on le met sur le train, ça c'est l'autoroute ferroviaire, soit c'est une caisse qui est sur un wagon plat, et puis on la met sur un train. Elle vient sur un camion, on la met sur un train. Donc il y a des investissements sur les plateformes, c'est pas ce qui est le plus cher. Honnêtement, il y a la place sur le réseau pour rajouter des trains de combinés et des trains de grand parcours avec de l'autoroute ferroviaire. Il y a plusieurs axes qui existent déjà, hein, entre Calais, l'Italie, Calais, l'Espagne, Luxembourg, l'Espagne. Notre problème, pour l'instant, c'est de le remplir. Et puis, je suis très, très, très franc, les grèves successives qu'on a eues en 2016, 2018, 2019 ont fait fuir une partie des clients. Et maintenant, on doit être obligé d'aller les reconquérir. Bon, ça, c'est le contexte, mais ça va revenir. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le marché qui est le plus porteur pour transférer de la route vers le rail, et je reviendrai après sur la complémentarité, c'est le marché du combiné. Effectivement. Et là, on est complémentaire, puisqu'il faut arriver avec un camion, avec une caisse, ou avec un bateau, avec une caisse à un port, on la prend et puis on la met sur un train. Et là, il y a un volume très important de développement, parce qu'en France, les chiffres sont apparemment dramatiques, puisqu'on est passé de 50 milliards de tonnes kilomètres il y a 15 ans, j'étais au fret à l'époque, à 32 aujourd'hui. La SNCF n'a que 20, alors que donc ça veut dire qu'il y en a 12 qui sont faits par des concurrents. Et on voit qu'en Europe, le rail stagne et la route augmente de 3,3% par an. Donc si on reste comme ça, en termes d'émissions de CO2, c'est considérable. Quand bien même il y a des progrès avec l'hydrogène, ça ne va pas arriver tout de suite. Donc on a un vrai problème structurel en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'industrie lourde, il y en a de moins en moins. Ce qu'on transporte, c'est plutôt du lourd, hein, de l'acier, des voitures, du minerai, de l'agriculture, de la chimie, des matières dangereuses. Et il y a moins d'industrie, il faut bien le reconnaître. Il y a eu la crise économique qui est passée par là. Puis en même temps, la route a fait des gains de productivité. Alors, on l'a un peu aidé, hein, parce que l'autorisation du 44 tonnes sur les routes, ça a quand même aidé. Bon, vous connaissez l'histoire de l'écotaxe qui n'a pas abouti. Et puis, vous luttez contre le pavillon étranger. C'est impressionnant, la croissance des pavillons étrangers par rapport au pavillon français. Et on a une densité de réseau routier en France qui est un des meilleurs d'Europe, hein, en termes de nombre de kilomètres par habitant. Donc, il ne faut pas s'en plaindre, parce qu'en tant que particulier, vous êtes content de pouvoir prendre des routes, etc. Sauf qu'il y a quand même, aujourd'hui, une distorsion factuelle intermodale qu'il faut qu'on rattrape. Le fer n'a que 9% de part de marché. 9% de part de marché sur le transport de marchandises. D'ailleurs, le reste, c'est essentiellement un petit peu de fluvial, mais c'est essentiellement la route. 87% en France. Et en Europe, c'est le double. Il y a deux fois plus de parts de marché. Donc on a un problème. On est à 9%. En Europe, c'est 18%. Et en Europe, on décide de passer de 18% à 30% de part de marché du rail d'ici 2030. Alors nous, ça veut dire quoi ? Il faut au moins qu'on passe de 9% à 18%. Et je disais à Mme Berthelot, c'est pas contre la route pour plusieurs raisons. D'abord parce que le volume est tel qu'il y aura toujours des camions.
Voilà, y a besoin de marchandises, il y a besoin de transporter. Donc c'est juste réduire l'écart, hein, c'est juste réduire l'écart et éviter des conséquences pour l'environnement. Et puis il y a la complémentarité. Pour ce que je disais tout à l'heure, le dernier kilomètre pour aller chez les clients industriels, c'est souvent la route qu'il fait, il est plus souple, plus adapté. Nous, c'est le long parcours, hein, plutôt. Et puis il y a le combiné, où encore une fois, on a besoin des camions pour prendre les caisses et puis ensuite les monter sur les trains. Donc il ne faut pas opposer les deux, mais enfin n'empêche que nous, notre objectif, c'est d'essayer de tout faire collectivement avec le secteur, de passer de 9 à 18%. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Alors, il y a quelque chose qui est super important, c'est qu'on ne prend pas en compte dans les décisions aujourd'hui tout ce qui sont les facteurs externes. Et on peut même valoriser ces facteurs externes. C'est par exemple le coût de la tonne de dioxyde de carbone, de CO2 émise. Combien ça vaut, cette valeur de la tonne émise, si on considère que l'écologie a une valeur? Ensuite, c'est le problème de la santé. J'irais même à la limite, ça va être le ministère de la Santé qui nous subventionne, hein, parce qu'il y a 50 000 prématurés qui meurent à cause des problèmes d'émissions, transport en Europe par an, soit à cause des accidents, c'est la partie minoritaire, mais surtout avec des problèmes de santé. Donc, on a un sujet santé derrière tout ça. Et puis, on a un sujet saturation, parce qu'à un moment donné, il va falloir investir dans des routes, hein, si on va en faire plus. Voilà. Donc moi, je n'oppose pas les deux, mais n'empêche que pour passer de 9% à 18%, je pourrais répondre à des questions là-dessus, il va falloir des vraies ruptures. Des vraies ruptures politiques, des vraies ruptures en matière industrielle. Et le train de fret, si vous regardez passer les trains, ils ont l'air un peu désuets parfois. Hein. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que en termes d'innovation technologique, dans le digital, dans le suivi des wagons, dans le type de matériel, dans le fait qu'il soit bimode, nous aussi on s'intéresse à l'hydrogène, il va falloir mettre de l'argent. Bon. Mais, voilà. Mais à l'arrivée, quand on chiffre tous les coûts externes qu'on peut éviter en doublant la part de marché d'ici 2030, c'est quasiment, si on le chiffrait, ça vaudrait 4 milliards d'euros. Voilà, le transfert modal de passer de 9% à 18%. Si on chiffre le coût du CO2 émis, si on chiffre ce que ça vaut, si on chiffre tous les coûts des personnes qui sont victimes en termes de santé, ça vaut 4 milliards d'euros sur 10 ans. Bah, avec ça, on peut peut-être le réinvestir sur autre chose et essayer de mieux équilibrer les choses. Très bien, merci beaucoup. On a une rectification ici, ensuite une deuxième série de questions et je finirai en posant une question moi-même. Oui, je complète juste. Souvent, quand on dit les émissions du transport, on parle de transport tout mode confondu. Et souvent, quand on ramène au transport de marchandises, les parts sont plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Hein. Je veux dire aussi que souvent, on nous dit, bien sûr, la santé publique, etc. Mais globalement, quand vous regardez sur la circulation, en pourcentage, 75% ce sont des voitures automobiles. Les camions, ça va vous paraître incroyable, mais c'est archi-vérifié, c'est des stades publics, c'est 5% de la circulation en France. Alors bien sûr, vous les voyez parce que vous les voyez concentrés sur un certain nombre d'axes. Vous les voyez concentrés sur les autoroutes, vous les voyez concentrés sur les routes nationales. Mais sur l'ensemble du réseau, c'est 5%. Donc globalement, bien sûr, et si la part modale du ferroviaire double, vous constaterez, c'est mathématique, on va rester archi-majoritaire, le transport routier. Donc les solutions, il faut qu'on les trouve à l'intérieur de chez nous. Pour que c'est une question d'acceptabilité, c'est une question de responsabilité sociale. Et c'est là aussi qu'il y a ce travail à faire en matière de technologie avec les constructeurs, qui n'ont pas tous adopté d'ailleurs les mêmes orientations en matière de technologie de motorisation alternative. Très bien, merci beaucoup. On passe à une deuxième série de questions. Amel, vas-y. Bah, déjà, j'ai beaucoup, ma pensée a beaucoup évolué par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et du coup, je me rends compte qu'il va falloir peut-être qu'on change certaines choses. Parce que tant dissocier l'un de l'autre, mais en fait, il va falloir vous aider à travailler ensemble. Par contre, il y a une question qui m'est venue. Alors, elle est très politique. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, demain, on sortait de l'Europe? Est-ce que ce serait un avantage pour... Je sais que c'est une grosse question, mais avec ce qu'ils disent, je sais pas, ça m'inspire que ça. Si en gros, on sort de l'Europe, est-ce que ça sera un avantage pour les émissions et pour votre combinaison? Merci, Amel. Quelqu'un? Encore une question, Guillaume, aussi. J'avais posé la question, c'est sur le montant d'investissement global. J'aurais voulu avoir le montant, puisque à un moment donné, dans notre synthèse, il va falloir à un moment donné chiffrer. Donc il va falloir parler pépette, quoi. Ah, c'est sûr.
Très bien, merci Guillaume. Autre chose, Mélanie ? Ils veulent pas parler, donc voilà. Après, on dit que moi. Mais... Donc, moi, j'avais une question sur l'échéance de temps pour passer de 9 à 18% de part de ferroutage sur... voilà, essentiellement ça. Ah si, puis après, est-ce qu'on peut, par exemple, si on veut transporter des marchandises jusqu'en centre-ville de Paris, en l'occurrence avec le métro, est-ce qu'on peut laisser les transporter des... mettre les trains de marchandises sur les voies de métro, par exemple ? Quoi, c'est une question comme une autre. Et ensuite, est-ce qu'on peut coupler les wagons marchandises et les wagons voyageurs ? Très bien, merci pour cette question. Encore autre chose ? Daniel ? Oui, moi, je n'ai pas eu ma réponse quant au projet européen. Qui était ? Sur d'autres projets qui existent ? Oui, il y en a d'autres. Oui, il y avait des projets de ferroutage existants au niveau européen, et si ça marchait ? Bon, moi, j'ai pas encore creusé la comparaison parce qu'encore une fois, j'ai pas pris mes fonctions. Oui, il en existe ailleurs. En France, on a un problème d'amorçage. Hein, comme je dis, au démarrage, ça va finir par fonctionner. Mais ça peut pas fonctionner. L'autoroute ferroviaire avec les semi-remorques sur les camions sans de la subvention publique. Hein, ça ne marche pas pour la raison que disait madame. Le combiné aussi, mais moi, pour la raison que vous disiez, c'est qu'il y a le poids lui-même. Vous rajoutez, en plus du poids de la marchandise, le poids du semi-remorque. Donc, ça a un coût d'énergie, de capacité des wagons. Donc, c'est quand même plus cher. Mais ça répond aussi à un besoin. Donc, il y a toute une palette de solutions donc, pour faire ça. Alors, sur l'investissement, ça dépend de jusqu'où on va aller. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on estime pour relancer le fret à hauteur de 9 à 18%, je ne sais pas, c'est entre 200 et 400 millions d'euros par an, dont une partie serait de l'investissement pur d'infrastructure. Mais le reste, je vais y revenir, c'est aussi couvrir les charges supplémentaires qu'a le rail sur certains de ses produits. Et en particulier, le rail, ce n'est pas uniquement des trains massifs. Si vous observez, après l'ouverture de la concurrence depuis 15 ans sur le rail, tous nos concurrents, où ils sont dans le nord, dans l'est, sur la vallée du Rhône, donc là où il y a encore beaucoup d'industrie, et ils font des trains massifs. Donc quelque chose qui est facile à fabriquer quelque part. Mais tout ce qui est compliqué, tout ce qu'on appelle le wagon isolé, qu'on regroupe dans des trains, on met des wagons de plusieurs clients, on fait des tris, on les passe dans des triages, on refait des trains, on fait des manœuvres, tout ça, ça coûte assez cher. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le marché s'est organisé, mais il n'y a aucun concurrent qui a pris ça. D'accord ? Donc il y a un problème de différentiel là, objectif avec la route en termes de notamment péage de l'infrastructure. Nous, on paye l'infrastructure ferroviaire. L'autoroute, aujourd'hui, ce qui use l'autoroute, c'est d'abord les camions. Le prix du transport par le camion sur l'autoroute n'est pas à la hauteur des coûts générés. Nous, on paye le péage. Donc, de ce point de vue-là, nous avons besoin d'une aide, puisqu'on ne peut pas aller sur l'écotaxe ou équivalent. On a besoin d'une aide à subventionner ce qui n'est pas aujourd'hui compétitif avec la route et reconnaître qu'il y a un défaut de compétitivité qui sera durable. Parce que s'il ne se passe rien... Moi, en tant que patron du fret, à un moment donné, je serai obligé de me poser la question de si je dois encore réduire la voilure. Hein ? Voilà. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc on a un domaine qui est le wagon isolé qui est en difficulté. Sur le combiné, je pense que les aides peuvent bénéficier aux deux, aussi bien au transport routier qu'au transport ferroviaire. Et puis sur le centre-ville, oui, enfin moi, toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. Vous voyez, il y a longtemps, on n'osait pas demander à faire des trains de fret sur les lignes TGV. Maintenant, ça existe. Hein. Il y a des trains de marchandises qui passent autour du Mans sur une ligne TGV. Il y a des trains de marchandises du côté de Nîmes-Montpellier qui vont utiliser une TGV. Donc, toutes les idées sont bonnes à prendre, et en particulier sur ce que vous appelez la logistique, que l'on appelle la logistique urbaine. Bon, il y a des clients hein, comme Monoprix ou Franprix qui, vous voyez, le long de la Seine, qui amènent des caisses et puis ils sont amenés par barge. Et après, on peut très bien les mettre éventuellement sur du rail. Alors, la RATP, je ne sais pas, je ne peux pas m'exprimer à sa place. Très bien, merci. Alors, en complément, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance moyenne de transport de marchandises en France, c'est quoi ? C'est moins de 150 km. Et pour moins de 150 km, c'est compliqué de faire du multimodal. Parce que, comme il a été expliqué, donc cette fameuse rupture de charge, elle est coûteuse, elle est technique, elle ne peut pas se faire partout. Et ça explique aussi pourquoi, en fait, et c'est peu connu, hein, en fait, le transport... ferroviaire combiné, etc., il devient pertinent au-delà de 500 km. Donc, globalement, il faut regarder les marchandises et il y a cette complexité de regarder quel est le bon mode pour la bonne distance. Ça, c'est important. Sur le métro,
Il y a eu des tentatives, sauf que si vous prenez le métro parisien, ce que je fais tous les jours, et que vous voyez l'inaccessibilité du métro en termes d'escalier, etc., déjà pour les personnes, imaginez ce que c'est de charger des colis, quels qu'ils soient. Et vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Je pense qu'il faut absolument qu'on le traite. On parle de logistique urbaine, on a l'habitude hein, de tout ça. Mais globalement, le problème qu'on a aujourd'hui, qu'il va falloir gérer, qui est un défi majeur pour tout le climat, etc., c'est le e-commerce. C'est le e-commerce. Aujourd'hui, le métier d'un transporteur, c'est de grouper sa marchandise. Il n'a aucun intérêt à rouler à vide. Il faut qu'il remplisse au maximum son camion et qu'il organise sa tournée pour qu'il soit le moins vite possible, le moins longtemps. Mais le e-commerce, même s'il peut se faire sur des plus petits véhicules, amène à des trucs complètement insensés. Non seulement en ville, d'ailleurs. Je dirais que dans les zones les plus éloignées, c'est pareil. Parce que justement, comme en zone rurale, on est éloigné du moindre magasin, etc., globalement, l'habitude s'est prise de commander. Je ne cite pas le gros faiseur, vous le connaissez tous. Et puis de dire, voilà, ça arrive. Et là, la difficulté pour le transporteur qui fait le job, c'est le groupage. Et globalement, ça, c'est un défi majeur et qu'on ne sait pas bien traiter parce que à chaque fois que, je dirais, les politiques ont essayé de le traiter, ils tombent sur le consommateur. Et le consommateur, c'est l'électeur. Sauf que le citoyen exige des choses et qu'en tant que consommateur, il ne va pas forcément suivre. Hein. Je le dis parce qu'on est tous concernés. Hein. Et surtout si vous avez des jeunes à la maison qui vous font des grandes leçons d'écologie et puis qui, en fait, vous voyez le livreur qui est passé trois fois parce que je renvoie, je machin. Enfin bon, c'est du vécu. Donc, globalement, oui. Alors, il y a eu des expériences qui ont été faites pour utiliser les tramways pour les marchandises. Hein, qui avaient pas... Mais on s'aperçoit que c'est très compliqué. On a fait faire une étude, non ? Est-ce que chaque francilien, combien il génère de flux de marchandises ? Chaque francilien. On n'a pas fait encore au niveau France. Alors, quand je dis flux de marchandises, c'est ce que vous consommez, c'est les matériaux de construction, c'est la salle de bain. Chaque francilien génère 25 tonnes de marchandises par an. 25 tonnes. Donc, c'est vrai qu'on voit donc à Paris, il y a ces idées, vélo, cargo, enfin, tout autre, mais 25 tonnes. À un moment donné, c'est la charge utile d'un camion. Donc, chaque francilien génère ça. C'est ça que nous générons, nous. Donc, c'est là que je ne suis pas ici pour faire du pro-domo, pro-camion, etc. C'est que globalement, on va être obligé de trouver des solutions rapides. Et la question qui se pose, c'est entre les investissements que ça suppose, le temps que ça prend, qu'est-ce qui est le plus urgent, comment on agit pour traiter quand même déjà du court terme. Et c'est ça l'enjeu qui nous est posé aussi, parce que le climat, c'est une urgence. Quoi. Voilà. Et si ce n'est pas dans 15 ans, ce n'est pas dans 25 ans, voilà ce que je peux dire. Très bien, merci. Mélanie, donc... Ah oui, il faut que Mélanie... Bon, donc la... Alors, Mélanie. Il y a une solution pour réduire ces 25 tonnes par personne, c'est la décroissance et limiter la consommation. Mais ça, c'est sur le groupe consommé. C'est pour ça que quand on m'a demandé d'intervenir dans se déplacer, j'ai dit je pourrais être dans consommer. Parce qu'en réalité, ce défi nous est posé, oui. Alors, vous avez parlé de court terme. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen plutôt de jouer sur la formation des conducteurs, améliorer la technique de conduite ? Alors, je vous dis ça parce que je suis formateur dans les transports. Ah, quand même. Je me disais, vous savez qu'ils sont formés. Oui, mais tous les 5 ans. Je pense que... Est-ce que vous serez prête à réduire, par exemple, pas la formation complémentaire hein, tous les 5 ans, mais faire une formation éco-conduite obligatoire, contrôlée, pour avoir à court terme un impact. On sait que sur une éco-conduite poids lourd, on arrive à faire baisser de 15% des gens qui n'en ont jamais fait. Mais après, il faut maintenir cet écart-là. Est-ce que les transporteurs sont prêts à, tous les 2 ans, à faire une formation à leurs conducteurs en éco-conduite pour avoir travaillé dans une entreprise de transport en tant que formateur entreprise, est-ce que l'ADEME peut avoir... distribuer des labels, elle le fait déjà. Fait. Mais est-ce que la mauvaise entreprise qui ne fait pas d'éco-conduite pourrait avoir le label collé, obligatoire, mais dire c'est le mauvais, c'est le vilain garçon, quoi.
Est-ce que le monde du transport est prêt à être un petit peu... Ben, certaines sociétés vont être montrées du doigt, quoi, si on fait ça. Est-ce qu'ils sont prêts? Oui, on est tellement prêts que la formation des conducteurs, d'abord, j'insiste, ce sont des gens formés. Hein. Ce sont des professionnels de la route. Et ça, c'est important pour eux parce que leur métier est un métier très important. Secondo, cette formation tous les 5 ans, normes européennes. Et en France, on est le pays le plus performant sur le respect de ces conditions de formation. On y travaille sans arrêt. Mais je dirais qu'avec le charte et label CO2, les transporteurs s'engagent. C'est quelque chose qu'on a développé avec l'ADEME depuis plus de 10 ans. Ça permet l'économie de 2 millions de tonnes de CO2 par an, notamment basée sur l'éco-conduite. Alors, l'éco-conduite, ça vient déjà du professionnalisme des conducteurs, vous le savez, si vous êtes formateur. Et puis, je vais vous dire, si on quittait le domaine, c'est aussi une question économique pour l'entreprise. Moins elle consomme de carburant, plus elle fait des économies sur ses coûts. Globalement, ça, c'est très suivi. La consommation, comme je vous l'ai dit, d'un poids lourd, elle a considérablement baissé en 10 ans. Aujourd'hui, un poids lourd, ça consomme, si on reste en diesel, 28 litres au 100. 28 litres au 100 pour déplacer 44 tonnes de marchandises et de camions en même temps. Une voiture, c'est 6 litres au 100 pour aller une tonne et demie. Regardez la performance du camion. Hein. C'est un ratio qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vu la masse, vu le volume, la consommation, elle est 0,6 par kilomètre, ce que la voiture n'obtient pas. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est formidable, mais c'est pour dire que déjà, les efforts ont été entrepris. Il faut que ça continue et ce travail doit se poursuivre. La difficulté qu'on a aujourd'hui, je vous ai parlé des constructeurs, c'est qu'on a des constructeurs qui sont partis, par exemple, vers l'hybride. Il y en a d'autres qui sont partis vers le GNV et qu'en fait, ils ne sont pas coordonnés entre eux. Il ne suffit pas d'avoir un camion dans une gamme pour que ça réponde aux besoins des transporteurs, parce qu'il y a des profils de camions très différents. Et que quand on fait ça, il faut les stations qui vont avec. Et donc, il faudrait des stations multi-énergie, gaz, électrique, etc. Et globalement, ce que l'État nous dit, c'est que le mix énergétique, pardon, c'est le terme un peu technique, il n'y aura pas qu'une énergie pour remplacer le diesel, il y en aura plusieurs, selon les distances, selon les camions, etc. L'État dit, moi, je ne pourrais pas accompagner toutes les filières en même temps. Et aujourd'hui, la difficulté d'un transporteur, quand il achète un camion qui se veut plus propre, c'est qu'il est un peu perdu dans le choix de la technologie parce qu'il va regarder est-ce qu'il y aura des stations d'avitaillement, est-ce que... Là, on comprend qu'il y a un gros enjeu vis-à-vis des constructeurs. J'ai compris aussi qu'il y a un gros enjeu vis-à-vis des plateformes de e-commerce et autres. Donc, vous n'êtes pas seul, en fait. Vous êtes dans un environnement. En tant que transporteur, vous êtes au milieu entre les consommateurs et les producteurs. Et donc là, il y a un gros enjeu et aussi l'enjeu vis-à-vis des constructeurs. Pour conclure, je voulais poser la même question qu'à notre tour précédent. Qu'est-ce qui, pour vous, va être facilitant? Quels vont être les plus grands leviers? Qu'est-ce qui va être les plus grands points de blocage vers cette transition? Je pense que pour reclarifier le débat sur la place et l'importance de traiter les deux modes, je pense qu'il faut avoir en tête que le camion, aujourd'hui, est imbattable pour ce qui concerne les petits colis. Et comme vous l'avez dit, avec des flux tendus, des lots qui sont de plus en plus petits, c'est très difficile pour le ferroviaire de prendre ça. Le ferroviaire prend d'abord des choses massives et du combiné, parce que dans les caisses, il peut y avoir du produit de grande consommation. C'est sa zone de pertinence. Nous, notre objectif, c'est clairement de faire la rupture, mais on ne le fera pas tout seul, pour transférer le maximum de la route vers le rail dans ces domaines, parce que c'est sa zone de pertinence. On a des trains massifs, des trains longs. Regardez comment ça se passe dans des pays tels que les États-Unis et le Canada. Regardez la tête des trains, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en Europe. Donc on a des barrières technologiques, des barrières réglementaires, mais je pense qu'on n'y arrivera pas sans une participation de tous. Bon, les transporteurs doivent encore des gains de productivité à faire, d'efficacité. Il va falloir investir sur la technologie. Vous parlez d'hydrogène, de nouvelles technologies. Nous, on a beaucoup de sujets autour du digital, du suivi des trains, de l'amélioration également, y compris de l'énergie, hein, parce que le sujet de l'hydrogène peut se poser aussi par rapport aux trains diesel. Il ne faut pas nier qu'on a aussi des locomotives diesel. Mais c'est l'infrastructure d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des investissements pour permettre de laisser la place à des trains de fret au milieu soit des travaux, soit des trains de voyageurs qui aujourd'hui sont dominants. Et si on veut vraiment agir pour le climat, il va falloir faire un choix clair. Et il y a de la place pour les deux. C'est juste changer les habitudes du mode d'utilisation du train. Et puis enfin, il faut des aides. Parce que quand on compare la France, si on est à 8 pour 9% au lieu de 18%, c'est parce que l'aide au transport combiné
ou l'aide aux wagons isolés que je citais tout à l'heure, qui sont les domaines où c'est difficile d'être compétitif, aujourd'hui est très en deçà de ce qui se passe en Suisse, hein, où il y a 30% de parts de marché en Suisse, de ce qui se passe en Autriche, de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui se passe dans les pays du Nord qui ont des grands ports. Et aujourd'hui, par exemple, pour faire transporter une caisse, juste pour terminer là-dessus, entre Anvers et Lyon, c'est moins cher pour un client que de passer par Le Havre. Le Havre-Lyon, c'est plus cher que de faire le Anvers-Lyon. Juste parce que la même caisse se passe dans des pays dont les règles d'accompagnement sur le coût du transport combiné, donc l'aide d'État, n'est pas la même. Donc il faut aussi qu'on se pose ce genre de questions parce qu'en fait, les flux sont européens. Et donc pour moi, je pense que tout le monde fera un effort, les transporteurs, l'industrie, les pouvoirs publics. Et avec ça, on a toutes les chances d'arriver à ce doublement. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. C'est quasiment ce qu'on avait il y a 20 ans. Et même si le pays s'est désindustrialisé, il faut le faire. C'est une urgence vraiment climatique de reprendre une part de marché pour le rail. Merci beaucoup. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre question sur l'Europe. J'allais y revenir. Parce qu'en fait, c'est aussi là-dessus qu'on va aboutir. Moi, je crois qu'un des principaux leviers, et je serai un peu cash, mais je le suis avec chaque institutionnel que je rencontre, c'est que je pense qu'il faut arrêter d'opposer les modes entre eux. Mais il faut aussi arrêter d'essayer de trouver un coupable en disant, voilà, ben, y a un des modes, il faut le supprimer. En dehors de tout réalisme et de toute remise en question collective sur le sujet. Et globalement, bien sûr, il faut qu'on travaille ensemble, il faut travailler tous ensemble. Et mieux faire connaître ce que l'on fait, la réalité des chiffres, de ce qu'on consomme, hein, ce que vous disiez à un moment donné, nous, on rend un service. Donc les leviers, c'est effectivement qu'il y ait ce dialogue constant, sachant que c'est pas parce qu'on va dire demain qu'il y aurait moins de camions qu'on s'affole. Il y aura toujours encore beaucoup de camions. La difficulté qu'on va avoir en France, c'est qu'on risque d'avoir de moins en moins de camions français, de plus en plus de camions étrangers. Pourquoi ? Parce que si, et c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir de l'Europe, nous on est assez européens, c'est que globalement, si on essaye de brider que le camion en France, de toute façon il y a d'autres pays en Europe, c'est 10% du PIB. Vous prenez les Polonais, le transport routier de marchandises, c'est 10% du PIB et ils sont sur les marchés internationaux. Et le but c'est qu'on ait les mêmes règles, avant qu'on ait les mêmes coûts, il va prendre du temps. Notre espoir, c'est que là, en Europe, vraiment, l'urgence climatique, ça va occuper les 5 ans qui viennent de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement. C'est le Green Deal, le pacte vert, hein, qui est en train de se mettre en place. Et donc, forcément, il y aura une coordination entre, je pense, ce qui est fait dans la Convention citoyenne et le niveau européen. C'est indispensable. Mais il faut arrêter de partir avec simplement des a priori. Bien sûr, on parlera de transfert modal. Pourquoi pas ? Évidemment, oui. Et puis, c'est dans la complémentarité. Mais je pense que, je suis obligée de le dire, on ne peut pas imaginer qu'à horizon proche, on aura 100% des marchandises qui vont basculer du camion vers le train, vers le fleuve, etc. Et que si on part, comme le font certains, parce que c'est un peu démagogique, je parle de certains eurodéputés, ou etc., c'est pas réaliste et c'est pas honnête vis-à-vis des citoyens de dire une chose pareille. Et c'est là que nous, on jouera le jeu. Oui, on fait charte et label CO2. Il faut absolument qu'on voit comment on poursuit ces démarches et comment on fait encore mieux. Mais globalement, dans un écosystème qui est très vaste et où les citoyens consommateurs ont leur place. Très bien. Donc, je retiens une idée de collaboration, une idée d'être dans la finesse pour arriver à faire cette transition. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Alors, Lionel. Ah, Lionel qui veut dire quelque chose. Juste, est-il ou serait-il possible, même si c'est qu'une place, de penser à faire du covoiturage en camion ? Ça a été tenté. Il y a 3-4 ans par une entreprise en Normandie qui a tenté l'expérience, qui est très sympathique et qui n'a pas fonctionné parce qu'en réalité, les points de départ et les points d'arrivée des camions, c'est sur les zones logistiques qui sont en général assez éloignées des villes. Et en général, si vous allez sur une zone logistique, il n'y a pas beaucoup de transport. Ce qui d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'écoutais le problème de la mobilité et de la LOM domicile-travail, c'est une des difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui les entreprises de logistique, d'avoir leurs salariés qui viennent à 4 heures du matin prendre leur service quand il n'y a pas de transport public. Oui, ça a été fait. Ce n'est pas compliqué en termes d'assurance, mais bon, on va prendre une personne. Hein. Mais c'est déjà ça. Mais ça sera quand même résiduel. Ça a été imaginé, mais bon,
Nous, on est toujours ouvert à l'innovation et aux ruptures. Très bien, merci beaucoup. Je propose de remercier nos intervenants et de la discussion que nous avons eue. Romain. Et on va maintenant couper la vidéo.